Si vous aimez les plantes et les belles fleurs, eh bien ça tombe bien vu que depuis le 21 juin au jardin botanique de Vauville, eh bien a lieu pour la première fois un concours photo pendant l'été. Donc il va avoir lieu du 21 juin au 31 août et pour nous en parler ce matin, je suis en compagnie de Cléophée et de Sophie du jardin botanique de Vauville. Mesdames, bonjour à vous et bienvenue ce matin sur YFM. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que mesdames, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce, ce concours car il me semble que c'est la première édition Absolument, c'est la première édition parce que grâce à Sophie qui, est, qui a découvert le jardin qui est stagiaire au jardin botanique de Vauville, elle s'est aperçue qu'on avait vraiment les moyens euh, de faire montrer, si vous voulez, d'une façon visuelle, oui. euh, les qualités des, des végétaux, euh, d'une façon plus originale, peut-être, que ce que moi j'aurais l'habitude de, de le photographier. Et donc c'était vraiment pour mettre en avant ce que l'on peut découvrir au, au jardin de Vauville Voilà, absolument, que ce soit aussi bien en plan large qu'en macro qu'en qu format, j'allais dire, plus classique. Mmh. Euh, c'est vrai que l'œil de, des uns et des autres est, est évidemment à chaque fois différent. Et c'est là où on a voulu, si vous voulez, euh, faire mettre en valeur le, le jardin par les, les yeux de, des mmh. autres. Alors, Cléophée, donc, je rappelle que vous êtes la directrice du jardin botanique. Et ce matin, vous êtes venue accompagnée de Sophie. Vous êtes euh, stagiaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre fonction euh, actuelle en tant que stagiaire euh, Oui, donc je suis euh, bah, stagiaire. J'étudie euh, la gestion des sites patrimoine naturel et culturel euh, euh, avec valorisation touristique à la Sorbonne. Ouais. Et donc, je suis là pour cinq mois au Jardin euh, botanique de Vauville. Donc, j'aide euh, avec Léophée à gérer le site. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai eu l'idée du, du concours ouais. parce que j'aime beaucoup la photographie. J'aide beaucoup à prendre des photos. Et je mmh. me disais, pourquoi pas euh, euh, avoir cette interaction avec les visiteurs, les encourager à, à montrer… Euh, de leur façon. Euh... D'accord. La beauté de tout ce qui est fleur et euh, surtout donc par rapport au jardin botanique de villes. Voilà. Alors, euh, ce qui est super intéressant, c'est qu'il n'y a quand même pas n'importe qui en tant que jury pour ce concours. Écoutez, c'est vrai qu'on a de la chance. Le jardin, heureusement, a des jolis, des bons supporters. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir Yann Arthus-Bertrand, qui, qui aime beaucoup le jardin, qui oui. est aussi un ami de, de mes enfants. Qui a accepté tout de suite euh, de faire partie du jury. Nous avons Didier Decoing, qui est bien connu euh, dans la Hague, et sa femme Chantal, qui est passionnée de jardin. Je vous recommande le, le petit livre de Didier qui s'appelle Je vois des jardins partout, oui. euh, qui est vraiment sympa à lire. Et bien sûr, lui, il a un œil aussi euh, littéraire, il a un œil, euh, il a un œil nouveau. Euh, donc, ça aussi, si vous voulez, ça nous apporte beaucoup de choses. Il connaît bien la Hague, il connaît bien évidemment son climat. Oui. Euh, nous avons euh, Stéphane Marie, que je ne présente plus ici euh, à l'antenne. Euh, donc euh, voilà pour euh, pour son œil aussi et, sur, et sa partie botanique et nous avons euh, Patrick Mulan qui est peut-être un peu moins connu du grand public mais qui est très connu du milieu des jardins et de la botanique. Il a euh, la plus grande photothèque euh, de photos de jardins, de flore et de faune euh, dans toute la France qui s'appelle Map et il donc du coup il fait beaucoup de sites internet euh, sur ce sujet et des, un journal. Voilà donc nous sommes bien entourés et nous, nous sommes parrainés par euh, Canon. Pour avoir ce joli premier prix. Voilà, euh, donc il y a un, un superbe appareil photo. Il y a un superbe appareil de photo numérique, EOS 1000D. Voilà, bien sûr, avec son objectif euh, qui, qui est accompagné. Voilà. Donc, alors, pour pouvoir s'inscrire, euh, donc il y a quelque chose de bien spécifique pour, euh, pour euh, l'inscription et pouvoir visiter et prendre des photos au, euh, au jardin de Vauville. Absolument, parce que si vous voulez, on, on a eu l'idée avec Sophie que n'importe qui pouvait nous envoyer une photo d'Hortensia. Donc, pour que ce soit vraiment pris euh, sur le site du jardin de Vauville. Il faut que les gens euh, viennent, s'acquittent de leur entrée, donc de 7 euros, et après, bien évidemment, passent le temps qu'ils veulent dans mmh. le jardin. Et ils vont sur le, notre site euh, www.jardin-vauville.fr euh, ouais, oui, ah, ouais. <laughs> www. où il y a tout le règlement. Oui, d'accord. Voilà, là, ils peuvent tout trouver. C'est un règlement qui est assez, assez facile. Il y a un petit cahier des charges. Bien sûr, on demande que les végétaux soient pris in situ, donc pas cueillis. Mmh. Euh, le château n'est pas photographiable, parce que c'est vraiment l'univers végétal. Mmh que nous voulons euh, voir mettre en avant. avant. D'accord. Alors très bien donc alors je rappelle euh, donc euh, que ce concours photo euh, a commencé donc le 21 juin, il va se poursuivre jusqu'au 31 août. Euh, mesdames, est-ce que pour euh, conclure euh, cette interview, vous souhaitez ajouter quelque chose euh, Moi, j'ai encore deux trois petites choses à dire au oui. niveau du programme, c'est qu'il y a aussi le prix du public mmh. parce que les photos vont être donc bien sûr mises sur le site euh, web et sur la page Facebook. Donc le, le prix le public pourra euh, aussi voter. Donc là, il y a aussi le prix euh, qui sera botanique parce que ça va être de des plantes euh, directement venues et poussées dans le jardin. Mmh. Et euh, en fonction aussi du nombre de photos, il y aura de toute façon une exposition de tirage papier couleur euh, à vos Et si nous pouvons, au moment de la remise des prix, dans une très belle galerie parisienne consacrée au jardin. D'accord. Donc euh, la Normandie va s'exporter. Euh en Ile-de-France. J'espère. Et venez nombreux. Je pense que même sous le brouillard <laughs> et la pluie, on peut faire quelques belles photos. Eh bien, merci beaucoup, mesdames, donc, de nous avoir présenté. Donc, alors, je le rappelle, le concours photo au jardin botanique de Vauville. Ça a commencé le 21 juin et, euh, ça va se terminer le 31 août 2016. Cléophée et Sophie, merci beaucoup de votre visite ce matin sur AGFM. Merci, merci à vous et venez nombreux. Et bon concours photo. Merci. merci à très bientôt.